Salut à tous, on est ici dans la station de ski de la Molina, dans les Pyrénées-Orientales, donc en Espagne. Là, j'habite actuellement à Barcelone, donc j'avais pu déjà m'y rendre un week-end et là j'y suis allé une journée. Donc j'ai un peu filmé et en plus c'est assez facilement accessible de Barcelone, je veux dire en plus ou moins 2 heures, enfin en 2 heures et quart on est là-bas de Barcelone. Il y a même un système qui combine le pass de ski pour la journée et le train, 46 euros, donc ça vaut vraiment le coup. Et j'ai pu me rendre là-bas, donc c'est d'ailleurs la plus ancienne station de ski en Catalogne. C'est vraiment tout proche de la France, comme on peut un peu le voir là sur les cartes. Et c'est d'ailleurs un domaine skiable assez grand, si on compte aussi Macella, qui est l'autre station. Il y a la Molina et Macella. Macella, j'avais déjà pu y aller. Et d'ailleurs là, je me suis un peu retrouvé dans la station de Macella, mais j'ai pu retaper sur la Molina facilement. Et je pense que je ferai une vidéo là-dessus, hein. D'ailleurs, j'espère du meilleur matériel, mais bon, en tout cas, même la journée là à la Molina, c'est vraiment du plaisir. En plus, il y avait le soleil, très sympathique aussi les Pyrénées catalanes. Moi, je suis un peu plus habitué aux Alpes en général, pour être franco-autrichien, mais ça vaut vraiment le détour d'aller là-bas. C'est 69 pistes, il y a 71 km de domaine skiable. Le point culminant, c'est 2500 mètres, il me semble, et comme on voit là, c'est vraiment que du plaisir.
Comme on peut l'apercevoir là, il y a pas mal de restaurants et de cafés avec des terrasses, ce qui donne une ambiance très sympathique pour prendre un verre, manger quelque chose avec la vue sur les montagnes. Et les prix sont de manière générale, bon, je pense, un tout petit peu moins chers qu'en France. Et comme dans toutes les stations de ski, bien sûr, il y a les bus qui desservent l'ensemble du domaine, qui circulent l'ensemble du domaine. Et tout à l'heure, je n'ai pas mentionné, mais il y a également un bike park en été dans la station. À noter qu'il y a même un petit snowpark, que je pense d'ailleurs visiter la prochaine fois.
Merci d'avoir visionné la vidéo. J'espère que ça vous a plu, ça vous a donné des idées. Et n'hésitez pas à mettre un j'aime ou vous abonner. Allez, ciao!